Eh bien voilà, au nom des amis de l'orgue de Vézelise, j'aimerais vous présenter tous nos bons voeux pour cette nouvelle année. Alors en espérant tout d'abord la santé pour tous et puis un peu de musique. Alors pour illustrer ce changement d'année, je vous propose quelques pièces d'Adolphe Minet. Adolphe Minet, c'est encore un illustre inconnu, qui fut organiste à Saint-Roch à Paris et qui ensuite a occupé le poste d'organiste de la cathédrale de Chartres, où il était également maître de chapelle. Alors, ces pièces sont des pièces liturgiques, mais on pourrait se croire quasiment au concert du Nouvel An à Vienne. En tout cas, ça sera à ma façon, au nom de l'association, de vous présenter tous nos bons voeux pour cette année 2022.
Excellente année à tous.